Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons Terraformers après avoir fait plusieurs échecs sur la voie verte en difficulté plutôt élevée. On va tenter plutôt de faire la voie bleue et en moindre difficulté, donc je pense pas qu'on ira voilà, sur des difficultés de ouf. Parce que c'est vrai que le 11 nous demandait de faire 110. Est-ce qu'on tenterait pas la bleue, genre en dément? C'est quoi la différence concrètement, hormis l'objectif reste le même? Paramètres au niveau 2. Au niveau 2. Si on se met en utopique, donc en attente 10 et difficulté dément. Alors, la voie bleue, nous nous rendons sur Mars pour en faire une deuxième Terre et ainsi apprendre à mieux nous occuper du berceau de la vie. Objectif, terraformation complète de Mars. Pour remporter la victoire, vous devez entièrement terraformer le nouveau foyer de l'humanité. Vous devez monter les 4 paramètres de terraformation au niveau 3. Perso, je ne l'ai jamais fait de façon globale sur tout le jeu. Je me suis toujours concentré sur les ressources et tout ça. C'est vrai que c'est particulier, donc bah, ça va être une première. Donc soyons indulgents avec moi s'il vous plaît, et puis on va tenter en 10. Je pense qu'on va faire un échec. C'est vrai que les 4 paramètres au niveau 3, et où c'est assez vénère. Alors qu'est-ce qu'on nous propose? Équilibré robotique étendue. Ah l'étendue. Ah, l'étendue. Est-ce qu'on tenterait pas robotique? Commence avec mon énergie. Plus dépendant. Titane, tritium, les deux. Hein. La plateforme de développement, c'est vraiment dopé. Je sais pas si étendue, c'est très bien pour la voie bleue. Si ça va faire beaucoup de gares. Après les centres d'exploration c'est toujours dopé. Au moins pour la première ville. Sinon on fait étendue et puis Ah je sais pas. Hein. Allez, on fait robotique, juste pour changer. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Bon, c'est pas non plus oublié, mais tout de même. Augmente le rendement d'eau. Coût des bâtiments régionaux, 15% moins cher. Ça, j'aime bien. Bon, déjà, je vois qu'il y a titane nitrate. C'est le QG. Tiens, pour une fois qu'on n'a pas le setup 4 gauche, 3-3 sur la droite, ça fait plaisir. Bon, voilà, ça, déjà, on peut le mettre là. Voilà. Alors les robots, est-ce qu'on a vraiment besoin Ouais. Plus vite on chope des mines. Ouais. Allez, mine titane. T1, c'est pas mal. Hein. J'aurais bien aimé des choses avec du nitrate perso, parce que là on a déjà besoin de science. Générateur, surtout si on joue robot. Prendre la deuxième mine. Thermogénérateur, tritium, laboratoire. Module d'habitation. On a déjà un thermo. Ah, nitrate. Bien. Bien ça, par contre. On n'a rien qui utilise la nourriture, je crois. La science va déjà être utilisée. Après, le labo fait de la science. Allez, labo. Bon.
extraire du silicate pour rusher le labo. Ça me paraît pas dégueu. Parfait. On a notre première route commerciale. Une plateforme de robot, parfait. Sol riche de nitrate 8. Ok. J'avoue que je serais très tenté par le complexe agricole. Alors, il va falloir vraiment une tonne d'eau. Si je fais un autre thermogénérateur au tritium, il va falloir que je le pose. Attends, si je mets boost là, maison, boost là, je peux ici je peux mettre un thermogénérateur tritium. Alors quoi échanger par contre? J'ai presque pas envie de commercer, elle est le problème. J'ai besoin de tout ça. Plan public pour un futur lointain, ouais. Tritium s'il vous plaît. Vendre du silicate en contraire fire. T'as failli te planter comme les deux dernières fois et on va implanter du tritium. Ah, gare routière. Ah, dans la capitale, la gare routière. Ah, plus un de chance pour chaque palier 3 robots. Ah, funk. Vraiment mes bâtiments pour les poser. Centre de soutien. Là, je dis oui. Alors, attends. Maison. Boost. Maison. Donc ici, thermogénérateur. Parfait. Ça déjà, j'approuve. J'apprécie les fruits au sirop. Alors, silicate, c'est pas une ressource dont on a spécialement besoin, donc c'est pour ça que je préfère le laminer. Voilà. Laminer pour l'échanger. Prendre un module d'habitation. Projet de réserve naturelle, nouvelles améliorations de lieu de confort, plus de soutien. Conscience de toute technologie baisse de 25%. Production. On va prendre la baisse de coût. Incinérateur de déchets. Un autre boost. Quoique, si on part robot. Parce que là, on a déjà 4 robots. Ouais, non, c'est pas une bonne idée, le centre des thunes. Plutôt prendre la ferme de tubercules. Alors, de l'eau. Je veux de l'eau. Tic, 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 tic. Ah. Plateforme de robot. Si je fais une usine de terre ici, maison, maison.
Ah non, ici, on va pas faire... Oh là là, putain. Parce qu'il y a beaucoup de traces d'eau et que je veux faire ça surtout. Complexe agricole. Ça fait du malus niveau soutien. En plus, il y a une science par le palier de 3 robots. Du coup, boum, on gagne 2. Pour le soutien par rapport aux mines. Ce sera la fusion magnétique. Ah, le confort de vie, c'est mort. C'est archi mort. Ok, la ville s'est remplie extrêmement vite. Et je n'ai toujours pas d'eau. Du coup, on va exporter de la science, importer de l'énergie. Et on va... L'eau est un très très gros problème. Bon, il me faudrait, faudrait que je m'implante, ouais, sur ces... Waouh, l'énergie. Nitrate, silicate, on en produit déjà, donc pouf, tritium, no brain. Entrepôt plus de soutien par tour pour chaque mine appartenant à cette ville. Hey, en vrai, ça compte comme une mine, ça, le complexe agricole? Je suis sincèrement curieux, alors attendez. Ça fait plus 6. Donc ça compte pas comme une mine. Ah les bâtards! Point d'expansion, ouais, ça on l'a déjà. Oh, vas-y, on va vendre, ça m'intéresse pas. On va utiliser la technologie. Ok. Bah c'est la merde. C'est genre bien la merde. Si je veux une mine d'eau, caverne de minerai, je pourrais prendre ici, mais putain, ça fait un gros malus de soutien quoi. Assez d'énergie. Aïe 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 aïe. De toute façon, à chaque fois je reprends, la première c'est une poignée vraiment très vénère. Sinon je fais une ville ici, je peux faire oh. Ah, il y a double tritium hein. Putain, quête d'énergie. Ouais, on va faire une ville ici. Et je ferai un transfert de zone quand j'aurai la possibilité de le faire. Je crois qu'on va faire ça. Méthanogène, plus 1 chaleur par tour, plus 2 atmosphères. Alors l'atmosphère... Ou alors ça, direct. Atmosphère, ça demande plus. De toute façon, c'est 17 sciences ce bâtiment. 2 prestige, 0 température. Celui-là est juste plus facile à faire. Après, ah, la chaleur, elle est à combien la zone? Elle est à moins 1. Et ici, elle est à moins 3. Ouais, donc on est obligé de prendre du méthanogène direct. Ok. Bon, la science... À voir.
Les immeubles Pierre Barbier. Bon, l'usine de terre, je crois qu'on peut oublier. Est-ce que les immeubles Pierre Barbier, c'est boosté par... Non. Bon. C'est vraiment... la loose totale. Alors... dans ce cas, on va importer de l'eau. Exporter du nitrate. Alors, mon objectif, c'est faire la ville au-dessus, là. Ouais, thermogénérateur de traitement, carrément. J'avais espoir pour l'usine de terre, mais visiblement, ce sera un non. Parce que là, l'énergie, j'en ai vraiment cruellement besoin. Attends, je peux le faire qu'une fois. Je ne peux plus utiliser cette compétence. Ah, faut peut-être débloquer la deuxième vie, je pense. Et on n'a pas besoin d'une mine de silicate dans l'immédiat. La science, par contre, ce serait top. Le prochain tour, je peux faire l'épandeur. On va mettre là. Alors les drones de livraison, je dis oui. Centre de développement. Vous pouvez étudier un projet supplémentaire chaque tour. Je sais pas, les bonus, c'est pas mal aussi. Alors on va déjà commencer à l'épandage. C'est pas mal. Ça fait un peu plus de soutien. On est pas bien hein, sur le soutien. Alors l'eau s'il vous plaît. Je peux encore construire un bâtiment et ce sera module d'habitation donc dans futur très très lointain. Bon l'eau qui est bleu. Okay, c'est clairement l'eau qui est bleu. Je vais refaire un module d'habitation. Que je vais retrouver je serai replein sur la la fabrique d'oxygène. Ah non mais putain ça coûte 10. Ah oui j'ai fini mon complexe agricole. Ah là là, arrêtez d'exporter, d'importer de l'eau, on va importer de la bouffe maintenant. Science nitrate. Alors tu vas plutôt exporter du silicate maintenant mon ami. Va juste ouais explorer ce qu'il y a de proche pour que ça coûte moins cher. Putain le volcan endormi, le moment je le trouve, mais oh là attends ça fait de l'oxygène et tout. Bon ok, alors ça je dis oui. Bon mon espoir là actuellement c'est trouver des caisses de nourriture pour gagner un tour. Ok, télescope orbital, c'est pas mal, j'avoue. Silicate tritium. Le garde champêtre, celui qui pue qui pète. Oui, celui qui prend son tutu pour une ouellette. Tritium, c'est loin tout ça. Poser mon centre d'exploration. Et vraiment, mais pas du tout, quoi. Plus 1 chaleur par tour. Putain, 23 énergie, le truc, quoi. Bon, on va fonder une ville. Ah, putain, le soutien négatif. Tellement vénère. Drone de livraison, ah, déjà le malus il est moins moins badant. Et eau et tritium, ouais. Et
Maintenant on peut explorer vu que ça coûte moins cher. Oh putain les satellites. Oh là là, oh les champs. Est-ce que j'ai une zone à hauteur dans le coin? Non, t'es sérieux? Tiens, je peux plus le faire, le centre d'Orvier. Pour chaque centre de traitement construit. Donc la protection des radiations des villes. Et des radiations? Bref. Protection contre la radiation améliore les conditions de vie. La protection totale ne peut dépasser le niveau de radiation de base de 5. Du coup, c'est pas très ouf hein, l'immeuble Barbieus. Hein, ça devrait fournir 0 d'ailleurs. Ah non, fournit 1 et plus 1 pour. D'accord. Bah, on va faire ça. Putain, je suis deg. Plus 1 si placé en hauteur là, il me. Satellite et on va le rusher plutôt que le bonus de science par tour. Hélas, propagateur d'immo coûte 50% d'eau en moins, coût de construction de... ouais des digues, bah de toute façon il va falloir terraformer donc les digues je vais devoir en faire vu la façon dont je me suis développé. Usine électrogène en série. Oh. Eux, ils ont moins 3 parce qu'il fait froid en fait. Voilà. Bon, du coup, c'est pas perdu. Il y a trop de projets. Putain. Putain, putain, putain. centre d'ingéniosité robotique. Une mine de tritium parce que ça on était toujours là. Qu'est-ce qui nous manque en fait? On a plus 1 sur tout donc bah on a réussi à faire un truc plutôt équilibré étonnamment. Merci ah oui, le plus 3 d'énergie mais c'est toujours pas assez. Si c'est bon, ok. On double la production de ressources parce que les habitants, c'est pas vraiment ce qu'on a. Oh, l'importation d'océan. Il me la faut pour. Explorer un lieu et obtenir plus de science. De toute façon, il va falloir que je refasse des robots. Putain, l'énergie! Des robots. Jamais fait ce bâtiment, ça fait trop bizarre de l'avoir. Si j'ai des blocs, j'ai pas assez. Ah putain de merde. J'ai très très peu d'habitants en fait. Hein. Les bains publics, pff, ça sert à rien. Faudrait que je réouvre une autre ville. Genre. Là, c'est la même zone, ce serait un peu stupide d'ouvrir un autre deal. Genre là. Recycler, ça m'intéresse pas. C'est passé. Voilà, et on va faire une ville ici. Maintenant qu'on a
tout débloqué. Voilà, c'est ce set. Ah non, c'est pas ce setup là, c'est un autre. D'accord. Bon, cool. Comme ça, je fais ça. Boost. Maison, booster, booster. Maison, booster, booster. Je fais une plateforme là. Non, là. Alors, comme ça, ici, je construis le centre d'exploration que je vais m'empresser d'utiliser. Voilà. Là, on a une hauteur. Si jamais on a un champ photovoltaïque, ça peut être très très sympa. Rétro-ingénierie, revendre un projet fournit 10 soutiens au lieu d'une science. Est-ce que vous augmentez de façon permanente? Ok, on va prendre la rétro-ingénierie. Sponsor de nuages, augmente la quantité de précipitation de la zone climatique de 2. Alors ça c'est bien, mais genre beaucoup plus tard. Ouais, la serre. Rétro-ingénierie. Genre les bains publics là, je suis content de les avoir. Et on va faire... Ah merde, 12 de titane. Un prochain tour. Ici encore du 2 exploré. Comme ça, plus jamais on explore tout en bas à gauche. Quartier de restaurant. On va laisser le centre d'exploration faire son bise. Il faudrait juste que je trouve un autre emplacement. Monsieur Margaratifère. Une rocheuse. Arabia, peut-être qu'il y a, il y a un bon emplacement. A voir. Les satellites vont bientôt être goodies. Les bains. Ah, bain public, c'est disponible. Alors que le boost commence. Oh, port spatial. Ouh là là. Ouh là là, Malilouf. Alors, cyanobactéries ou méthanogènes? 13 tours. Plus difficile à poser le méthanogène. Ouais. Donc ça ira à Margaratifère. Attends. On a déjà fait. Après ça, ça permet de rusher la chaleur. Toujours ce petit... Ouais, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? Bon là, si je me développe, voilà, je perds du soutien, ça c'est sûr. Cratère ici. Ah, il est méga loin! Fabrique d'oxygène pour la voie bleue, je pense que c'est plutôt intéressant. De toute façon, soit c'est un cratère ici, soit il y a un cratère, enfin un emplacement de ville là-bas. Donc. Les deux me font chier si c'est ultra loin. Putain, j'aimerais augmenter les... Faudrait une usine de robotique. Si je casse... Ah mais non, elle est pas dans la zone. Ok, donc ça on peut vendre. Ça, on va vendre en vrai, ça fait du soutien, vas-y, on se fait un petit kiff. Ici, c'est bon, il y a des gens. Ouais, mais la bouffe. La bouffe, quand je vais débloquer ça dans deux tours.
après c'est plus 7 soutien. Qu'est-ce qu'on a en trop? Nitrate, science silicate. Donc plus 3 sciences ou océan. Ouais, bah on va prendre la science très clairement. Putain, 12. 12 d'énergie, quoi. Bonus pour l'eau. D'ailleurs, elle a pas de malus. Attends, les températures froides ne fournissent pas de confort négatif. Alors, je propose bien faire un. Ça augmente un peu. De toute façon, c'est un tour où je pouvais pas utiliser le. Exploration pour l'énergie. Alors l'eau, on est plus ou moins good. Oh, champ photovoltaïque. Alors, en plus, j'y pensais, j'ai fait putain, il me faudrait genre un champ photovoltaïque. J'ai vu qu'il y avait une hauteur disponible. Hein. Fabrique de CO2. Juste ici. Voilà, ici on va pouvoir faire une petite ville. Putain, déjà, ça passe tellement vite. Déblayer un roc fournit plus 100 titane. Augmente le rendement d'énergie de plus 1 à chaque production de 4 énergies. Ouais. Totalement meuf. Plus 2 soutiens pour chaque ressource unique, contribution et terraformation par cette ville. Alors, plus 2, ça me paraît un peu maigre. Une école. Une école. Faire une serre là, par contre, ce serait pas dégueu. Continue d'explorer ce dont j'ai besoin. Donc, le plus proche. Là-bas, je vais pouvoir explorer rapidement quand j'aurai de quoi faire la nouvelle ville. Une plateforme de drone. Ah, on peut construire des plateformes de drones gratos. Non, j'ai pas assez d'énergie. D'accord. Si on fait sauter le. Attends, augmente le niveau de radiation dans les zones climatiques de 1 de façon permanente. On s'en fout, on a personne dedans. Augmente le niveau global de radiation de 1 pendant 3 tours, le lieu deviendra vide. Pas nécessaire de posséder ce lieu. Hop, c'est pendant 3 tours. Mais voilà, la température a augmenté. C'est bien. C'est bien, on avait trop de tritium en plus. Bactéries artificielles, plus 5 sciences par tour s'il y a une ville dans la zone. Alors la serre, je redis oui. Plateforme de drone, plateforme de drone, mais mon problème d'énergie reste le même. Eh oui, Fire. Parce que t'es un putain de génie. Ok. Ville, prochain tour, sur 100%. Ah, la plateforme de robot. Ah, la plateforme de robot. Déblayons. Plateforme de drone. Parce que là, idéalement. Ah putain, l'énergie.
On va prendre ça, donc voilà, on n'aura pas de bouffe pendant 3 tours. Mais ça va réduire le malus de soutien. Donc voilà, c'est un meilleur agencement. Ah, plus d'énergie, merci, le point géothermique. D'ailleurs, si l'énergie est un réel problème... Ah ouais? On va faire une plateforme de robots ici. On va s'en saisir. Centrale géothermique, plus 2. Voilà, et on garde... ça, putain l'énergie, quoi. Putain les mecs, l'énergie. Prochain tour, la ville. Je vais mettre un coup de satellite du bout du monde, là. Je peux m'étendre, mais pas d'énergie, ici. Oh non... C'est trop bien ça. Oh le campus d'études. Oh non, on va voir, ça fait du soutien. Eh bien, fondons une ville. Voilà, bon. Alors... Sur le canyon, bon, ça fait du confort de vie. Hein. Putain, pierre de sable, ça fait du soutien. En vrai, le confort de vie, vu qu'on est blindé robot, est-ce vraiment intéressant? Je vous le demande. Parce que là, il y a mine. Ici, il n'y a rien. Faudrait que je m'étende jusque là-bas et que je fasse le centre d'exploration. Jeu, quoi. Ouais. Ah merde. Attends, tac. Tout là-bas. Du soutien. Qu'est-ce qui me manque quand même? La bouffe, tu décides pas vraiment. Titane, ouais, à la limite. Ce confort de vie, là on a un spot où on peut mettre 4 maisons, donc j'ai envie de le prendre. Allez, on le prend. Alors 10 d'énergie, 10. Alors l'eau, non. Ah, titane. Titane, ouais. Centre de vie commune. Ça, en vrai, ça défonce. Plus 1 tour pour chaque niveau de précipitation au-dessus de 1 dans cette zone climatique. Plus 5 confort de vie pour chaque... Oh, oh putain, il y a la gare! Oh non... Oh, les deux sont trop trop bien. Uniquement parce que je vais pouvoir spammer avec elle les plateformes de drones. Ici c'est blindé. Je devrais peut-être prendre ce port spatial. Pour pouvoir exporter. Non, je vais me concentrer. Je vais me concentrer sur les. Donc, projets spatiaux. Voilà. Il me reste un an, voilà, si jamais je veux poser tel ou tel bâtiment. Tritium. Parce que je vois qu'on commence pas mal les projets spatiaux, donc on va beaucoup en utiliser. Il
nitrate. Je fais une ville full robot habitation ici. Putain, c'est con la fabrique d'oxygène là. Elle me tente bien. Enfin, rien ne m'empêche d'en poser genre une là. Ah, comme ça, oxygène. Putain, eh ouais, oxygène et atmosphère, c'est zéro en fait. Ah ouais. Concentrer sur les hôtels spatiaux. De toute façon, je peux pas faire de. Non, je peux pas faire de. De ville prochain tour. Si je dois poser une ville. Voilà, déjà, base Borealis. C'est un nom. Arabia, on est déjà présent. Margaritifère, on n'est pas présent dans Margaritifère. Parce qu'on s'est étalé avec Boucrater. Haute Borealis, on est présent. Basse Borealis, on est présent. Tarsis, on est présent. Ouais. Donc, Sirenium, on est présent aussi. Et donc, faudrait que j'explore une toute nouvelle zone, quoi. Parce que là, on a fait les bombes, donc vaut mieux éviter de s'y mettre. Arabia, ouais. Ah putain, on s'est splitté entre Arabia et... Ah merde! Ah, j'ai déconné là. Arcadia, ça a l'air d'être centré. Labo de viande synthétique, je sais où le poser. Là. Oh merde, hauteur. On va pouvoir poser une ville prochain tour. Centre de vie commune. L'usine de terre. Ah, oh, c'était inespéré. J'y croyais plus du tout. Et plus 3 de bouffe. Ouais. Alors ça par contre, il y a quelque chose. Depuis le temps qu'on l'a, on va l'utiliser ici. Et plus jamais on explore là. On fait comme le bar, on laisse le centre d'exploration travailler. On prend toujours ce qui nous coûte le moins cher en termes de temps. Pour vraiment l'exploiter à 100%. Ici, toujours pas assez d'énergie. Alors. Bon, on va explorer la région. Arcadia, je veux vraiment faire un bon choix dessus. Oh yeah! Oh yeah! Alors, bactéries artificielles, c'est pas possible. Nous, on a un méthanogène. Parce qu'elle est présente sur 3 zones climatiques. Il faudrait que je repose des méthanogènes. Ici. Voilà, comme ça, on rechoppe un bonus de soutien et de soutien par tour. Et si je pouvais... Eh ben, genre poser une éolienne ici. Merveilleux. Bon, on va refaire des plateformes de drone. Hein.
J'ai bien envie de poser une sphérique d'oxygène. Un semeur de plantes. Alors, je suis pas contre l'idée du semeur de plantes. Mais là, ça devient un peu ric-rac. Parce que là, j'aimerais garder pour la hauteur. Est-ce que le semeur de plantes, on est d'accord que... Il n'y a aucune zone climatique. Bon, bah ça, ça va nous pourrir l'inventaire, traduction, pendant X temps. L'eau, ça monte donc aux F. Ok. Bon, étant donné que le titane, c'est un peu la merde, je vais plus explorer par là. Alors, plus 100 énergie par... Par tour, chaque palier de 7 points d'expansion obtenu ou lieu océanique possédé. Attends. Attends. Je suis à plus 8. Parce que j'ai vraiment beaucoup de points d'expansion. Donc il y a moyen que ce soit assez ouf si j'ai bien compris ce qu'on est en train de m'expliquer. Plus 8. Plus 8. C'est pas ça. Après, c'est celui qui fait... Ah non, c'est pas celui qui pollue. Non, non, non. Non, me fais pas ça. Je vais réabuser du, de la création de drone avant qu'elle s'en aille. Voilà. Et là, on la fait sortir. Augmentez votre rendement de tritium de 1 à chaque palier de production d'un tritium. Étant donné qu'on en produit déjà 2. Déblayage de roc. Pouvoir nettoyer les villes. Ouais, 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 ouais. Why not, why not. Portation d'océan. J'ai envie de les prendre. Après la bouffe. Non, on a déjà un immeuble, on va prendre importation d'océan. Par contre, va falloir que je fasse beaucoup de digues. Si je veux m'occuper des océans le plus rapidement possible. Ah, ici, on avait dit qu'on faisait full robot population. Ici, c'est plein. Il y a encore de la place ici. Il faudrait que je construise là. Prochain tour. Certaines routes commerciales ne sont pas attribuées. Satellite d'exploration. Un, 2, 3, 4. Et 5. Ça nous prend un tour, mais point de vue économie, c'est... C'est bien. Tiens, si je la pose. Attends, il n'y a que ici où il y a de la place. Fabrique de CO2. Ah bah c'est bon. C'est bon. Comme ça là vraiment, on joue à mort. On joue à mort la terraformation. C'est vrai que. Bah, c'est. Pas simple. Hein. Et pourtant, j'ai baissé. Hein. Je suis en 10 là, en termes d'attente, et je trouve qu'on est déjà borderline en termes de. Attends, il me faudrait titane si j'ai le choix entre tous les 4 là. Un jeu préhistorique, c'était comment? C'est sympa, mais le problème, c'est que quand t'as joué en fait à des jeux comme Stardew Valley, et ben, bah du coup, j'ai trop l'impression de jouer à Stardew Valley. Peut-être que je referai une session, hein, le jeu est pas désinstallé et tout. Mais voilà, là, j'avais envie de faire un truc ouais, qui me fait bien réfléchir et qui me prend la tête. Donc, je suis immédiatement parti sur Terraformers. C'est le, j'aime bien les jeux où il faut bien réfléchir. Parce que Roots of Pacha, je peux pas dire qu'il est mauvais. Parce que j'ai joué quoi, 2 heures? Voilà, il m'a pas refroidi, mais il m'a pas chauffé de ouf. Donc bah, je suis assez neutre. Donc je pense que c'est ma faute pour avoir trop blindé Stardew Valley, parce que bah, c'est un clone de Stardew Valley. Donc, si tu commences par Roots of Pacha,
Genre, sans avoir connu Stardew Valley, je pense que. Je pense qu'il y a un moyen pour que tu aies un coup de cœur, mais. Ah! Alors, l'eau, perso, j'estime qu'on est bon avec un plus 4, donc j'ai envie d'extraire de l'eau pour les océans. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir beaucoup de mines qui vont couler, notamment sur l'hémisphère nord, là où j'ai fait sauter le glacier de CO2, ici. J'ai une, deux, trois, j'ai quatre mines qui sautent, là, en fait. Coup de pot, on a pris le mec qui faisait que le coût des digues était réduit à 1. Ah, c'est réduit à 1, c'est pas réduit de 1. Réduit le coût de construction d'une nouvelle digue à 1 titane. Ah, bah le passif, il est encore mieux que ce que je croyais. Déjà, je me suis dit, ouais, bon, de toute façon, je vais devoir faire les océans. Donc, c'est déjà bon. Parce que si on augmente, on est à moins 34 et 406. Moins 34 et 406. Voilà, parce que là, ça me libère un passage. L'eau, je suis à plus 4. C'est pas un problème. Titane, c'est un problème, par contre. Tritium. Importation d'océan. Ah, putain. Ah, le problème, c'est que ça, on a commencé. Mais j'ai pas assez de titane. Je peux exporter du silicate et importer du titane. Et on peut tenter une exploration satellite. Faut pas que j'oublie que j'ai toujours ça à faire là. Choper une ville ici. Fabrique de gaz. Encore un immeuble. Centre de recherche. Centre de recherche serait pas forcément mauvais. Parce qu'on est à un stade du jeu où ça commence à avoir plus de projets, c'est un bon choix. Chaque niveau, température au-dessus de 0. Doit être construit sur un lieu côtier. Le quai. Alors attends, parce que les zones côtières. Ouais, les zones côtières, ça va être. Ah, est-ce que je peux faire. Oui, je peux faire un épandage de plantes. Attends, 3 tours, 3 tours, 3 tours, 3 tours. Bon, là, une mine nitrate, ça m'intéresse pas du tout, donc on va l'écraser. Ah non, c'est pas une mine de nitrate, c'est un sol riche. Oh merde! Déjà, on va faire les visites guidées. Attends, le choc moins 2, le choc moins 2. Bon, bah, moins 1. Hein. Putain, merde. Parce que maintenant, vu que j'ai augmenté la précipitation de la planète en augmentant les océans, je peux faire les forêts de palmes alpins. Alors, plus 4 soutiens par tour si une ville est présente dans la zone. Hein. Donc, il vaut mieux de ça dans des zones où il y a des villes. Et. Non, c'est une blague, je peux me mettre sur aucune des zones où il y a des villes. Non, non, non. Même celle qui est méga loin. Non! Trop froide, trop sèche. Même là où je vais me mettre Arcadia. Non! Bon, tant pis, je vais me mettre sur Margaritifère. Ah putain, non! Bon, c'est pas grave. Non, parce que si je fais les quais. Admettons. Ah mon dieu, c'est vrai que lui ça coûte double énergie. Ah, attends, des zones avec des cailloux. J'en ai un ici à déblayer. 2, 3. Ici je vais tout enlever de mémoire. Ah ouais. Oh, il y a un gisement de titane dans la ville. Ah, c'est pour ça. Oh merde, ça coûte trop cher. En vrai, faudrait que je.
Un gisement de titane qui m'intéresse pas. Est-ce que j'ai un gisement que je peux pas... Oh non. Vu que j'ai beaucoup de robots, j'ai pu bien m'étendre. Ah merde, il est pas cool ce perso du coup. Bon, bah une zone proche à explorer pour pas grand chose. 6, 6, 6. 4. Ouais, mais il y a un centre d'exploration, donc non. 6, 6. 4 ici. Oh. Bon, les zones côtières. C'est que de la mine. À part ici. Mais je peux pas. Je peux plus augmenter. Production de science. Déjà l'école. Bon, la science, on est déjà plus 7, sincèrement, c'est pas. Station balnéaire, si je veux la mettre. Faut que j'écrase une mine. De toute façon, j'ai que des océans sur la face nord. Bon, bah, peut-être peut-être plus tard, une chale là, on verra. On verra comment ça se débrouille. Ça se goupille, voilà. J'en perds mon français. Si j'augmente encore les océans. Il va falloir que je repète du titane. Parce que là, c'est des niveaux 2. Donc, on va améliorer tout de suite. La ville, pareil, il faut augmenter les digues. Voilà, déjà, ça fait mal. Niveau 2, j'ai la caverne de minerai qui va disparaître. Ah, putain. Ici, UCR, donc, des couilles. Ouais. Ah putain, la caverne des minerais. Putain, le titane quoi. Putain, faudrait que je chope quelque chose qui me permet d'augmenter. 25 nitrates. Non, on va le supposer. Putain, tritium. Bon bah, adieu la caverne des minerais. Hein. Malheureusement. Je n'ai pas d'autre solution. On peut pas le... Récolter 10 de cette ressource avec un bonus de plus 1 pour les gros gisements. Et on est d'accord que ça détruit la ressource? Non, c'est pas dit. Hein. Attends. Sélectionner un gisement de ressources. Récolter 10 de cette ressource avec un bonus de plus 1 pour les gros gisements et plus 2 pour les gens. Le coût en énergie dépend des distances du gisement en ressources. Non, parce que la mine de titane, là... Ah, ça le casse pas. Ah oui! Ah bah, non, non. Non, non, on va le faire. Ok. Faut toujours que j'explore pour Arcadia, là. Hein. Je suis bloqué. Je peux pas faire ma ville ici tant que j'ai pas exploré. Ah, merde. Non, mais vas-y, fuck. Fuck la caverne. Ça casse les couilles, hein. Ça casse les couilles de ouf, même. Parce que des mines de titane... Eh ben... J'en ai une ici, je suis un connard. Non, bah vas-y, c'est bon. C'est vraiment... Je faisais un blocage... Ah, mais merde, j'ai pas augmenté le niveau des océans, c'est encore 30. Ah, quel teubé! Bon. Eh, c'est 30, 60, c'est... je sais plus, c'est 90 ou 120. Le dernier. Mais oui, mais c'est bien sûr. Alors, cette île d'exploration, on va le rusher. Plus vite c'est fait, meilleur c'est. Tiens, tremblement de Mars, ça faisait très très longtemps. Chantier naval. Plateforme d'atterrissage. Oh, ça a touché qu'une mine en plus. À l'aise. Ah non, ça a touché ici. Bon, 15 bouffes. Ah putain, ça nique, mais... Titane. Aïe, on peut le refaire. Non. Oh, c'est trop bien, c'est un split de malade du coup. Arcadia. Australie. Tac. Bon, clairement ici. Clairement ici.
J'ai peur de m'étendre parce que le malus de soutien risque de me faire très très mal sur le long terme. Putain, il me faut des plateformes de genre robot, etc. Des trucs sympas quoi pour m'étendre. Portation d'océan. Transfert de forme de vie. Compostage. Serre. Ah, grande demeure. Ça, c'est bien. Petit tube de lave. Bon, je prends du malus. 4-4-4. 4-4-4. Ouais. Bon, écoute. Choix. Titane. Non, mais vraiment, le titane, c'est la S, quoi. Mais non, je peux déblayer. 1, 2. Ah non, ici tout est construit, c'est impossible. Et 4, 5 normalement. Voilà, ce que j'avais noté. Parfait. Parfait, 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 parfait. Qu'est-ce qu'il nous manque? Titane pour changer. Ah, atmosphère. Nice. Plateforme de robot. Ouais, trop bien. Trop, trop bien. Alors, sur la nouvelle ville, du coup. Plateforme de robot. Tac. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se putain d'étendre. Récolter ses ressources. Voilà, la science, pas les couilles. Ah, ça fait plus simple, bon, c'est rien de... Hein. C'est pas fou, mais bon. L'île océanique. Et on va commencer, bah, à faire les océans. On va récolter du titane, hein! Alors, en excavation. Forêt de Varek. Nécessite au moins un lieu océanique. Alors, oxygène, c'est bon, ça a été terraformé. Alors là, ça devient un centre de divertissement. Voilà. Nouveau satellite, et on va se concentrer sur... les océans. Oxygène... Eh, on se démerde pas trop mal. Hein. Atmosphère un peu compliquée, hein, ça demande deux fois plus. Est-ce que je devrais péter un petit peu d'énergie, je crois. Ouais, parce que lui il crée 15 atmosphères, donc ça fait quand même 3 tours et demi de production d'atmosphère. C'est pas dégueu, voilà. Bon. Utopia. Des animaux, un animal introduit. T'as plus de science en augmentation de rendement. Parce que construire un bâtiment, indispensable. Ouais, la pop. La pop. Très clairement. Encore une zone qui va couler là.
Remarque, en augmentant le niveau des océans, ça va faire des espaces côtiers pour les stations balnéaires et ce genre de choses. Donc ça m'ouvrira un panel un peu plus important sur les bâtiments régionaux. À voir. Pleine plate. Encore terraformation sublimée de neige carbonique. Grande quantité de CO2 relâchée ont augmenté la chaleur et densité de l'atmosphère. Plus 10, plus 10. Tempête de sable. Alors, réparons ça. Oh, le centre d'exploration d'Astromobile. Ouais, mais le quai, hein, parce que là, on va augmenter les océans. Je peux poser deux quais vraiment, mais à l'aise, quoi. Je vais même pouvoir détruire certaines usines, hein, parce que vu comment la chaleur s'envole. Donc ça me fera de nouvelles places. Putain, je commence déjà à crever la dalle, il est que midi, oh merde. Pourtant, j'ai bien déjeuné. J'entends mon beat qui est gargouille, c'est assez rare. Ouais, non, mais on va refaire une exploration low cost. Genre. Voilà. C'est peut-être parce qu'il fait beau et chaud, peut-être que ça doit me lancer. C'est possible, hein, j'aimais des théories. Ah non, Arthur Foster disparaît. Construire une mine océanique coûte 50% en moins. Plus un soutien par tour pour chaque palier de 10 nouvelles ressources transportées. Ça ferait 1 ou 2 par tour, c'est pas... Chaque habitant... Explorer un lieu, 5 projets supplémentaires sont proposés ce tour-ci. Explorer 2 lieux. Non, vraiment, les projets supplémentaires... Alors, si on augmente les océans... Attends, elle est où la ville que je voulais poser? Voilà, parce que là, il y a ici. J'ai pas encore la bouffe. Prochain tour, je pourrais poser... Ah, mais il va falloir que... Robot ou... Attends, peut-être que si... Attends, j'explore une zone pas trop lointaine. Alors, robot, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas robot. Oh non. Portation d'océan encore. Bon, la science bat les couilles, sincèrement. Ah merde. En vrai, plateforme de développement, ça peut être pas mal du tout. Il faut que je trouve un lieu qui a encore un point. Tu vois, genre là, il y a 4, tu vois, c'est pas mal. Je pourrais prendre les 3. Ah ouais, ah, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Là, pareil, si je prends, ça prend 1, 2, 3. Ah, faut que je la mette là. Ah ouais. Ah, mais faut que j'explore d'abord. Ah merde. On est d'accord que si je balance la ville... Enfin la ville, les océans... Elle est où ma ville? Enfin ma ville, mon emplacement de ville... Attends, c'était genre en bas à gauche... Utopia, voilà, c'était ici. Prochain tour, j'ai la bouffe. Ici, ça va être noyé. Oh, merde. Au pire... Hein. Voilà, tu sais ce qu'on fait. Je vais juste passer un tour, un tour. Ah ouais, mais je pourrais pas le faire parce que j'aurais pas de point de d'expansion, le truc que je veux faire. Ah merde! Ah chier, putain! Tout ça, ça va être noyé. Non, vas-y, pas les couilles. Alors, examinez la situation. Parce qu'il y a une ville qui va être détruite. C'est bon,
Plus de sou... 200 soutiens. Ah, celui-là, il y a des villes. Voilà. Là, on peut faire un quai. Alors, station balnéaire. Plus 5, plus 5. Plus 5. Plus 10. Parce qu'il fait chaud, c'est ça. Ouais. Bah si ça fait plus 10, autant coloniser ici. Ah mais putain, ça coûte de la bouffe. Du coup, je pourrais pas faire ma ville. Plus 10 de soutien. Enfin, plus 10. Plus 10 de bonus, hein, parce que ça en fait déjà 10 de base. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que le quai, je peux le mettre ici. Ah, déjà, ça, ça fait un bonus de soutien. Ah, bah, c'est pas mal, dis donc, ça. C'est pas mal du tout, même. Et on fait une mine océanique. Ouais, ça fait chier pour les villes, mais bon. Hôtels spatiaux, chantiers navals. Alors attends. Est-ce que Arcadia, c'est une zone côtière? Arcadia est une zone côtière! Du coup, prendre le chantier naval. Parce que c'est dans la ville, le chantier naval. Et oui! Eh, hey, ça, j'ai jamais pu le faire! Donc, je trouve ça très très cool. Bah, chaleur, dans 18 tours, on réussit. Oh putain, on est à 1056 de soutien! 10 tours atmosphère, océan, bon, ça faut. Il faut, hein. Oh, les fermes d'algues. On a une balle de nitrate. Ça me permet d'utiliser ces cases mortes océan. Donc, bah, je suis obligé. Ok. Dix soutiens par tour pour chaque habitant. Alors, qui a le plus d'habitants? Alors, les humains, hein, parce que eux, quand ils disent 9, c'est genre... oui, voilà, c'est les deux confondus. C'est 3. Et ils disent pas quand tu survoles. Non, c'est que quand tu vas... Quelle bande de connards. Est-ce que ma capitale, sur, il y a 3. Arès. Il y a 3. Ouais, bon, bah c'est kiff-kiff, quoi. Donc autant mettre sur la capitale si jamais je rajoute immeuble sur la droite. Ouah, bon, c'est pas génial, mais... C'est toujours mieux que rien. Centre de vie commune. Ouais. Pas la bouffe par contre. Alors attends. On va pas prendre le centre de vie commune. Je vais faire un explo. Alors de préférence pas là, il y a des centres d'exploration. Genre là, tu vois. Ok. Un peu plus de chaud. Augmente la radiation de la ville de 1. Putain, mais c'est ça, jamais je le jouerai, hein. Je comprends pas l'intérêt. Oh, le centre de vie commune, vraiment. Ouais, mais on a besoin de la bouffe pour la ville, quoi. Ah, chier. Ah, plateforme de robots, par contre. Là, je dis oui. Alors. Vu que les méthanogènes sont en place. Bactéries artificielles. Atmosphère en oxygène par tour. Autant mettre bactéries artificielles.
Mais il faut avoir une ville. On va la mettre ici. Voilà. Je la propage vraiment pour le soutien et pas pour le bonus de ressources. Mais bon, ça fait quand même plus sain. Alors pourquoi je me casserais le cul? Alors 40, 31. Ouais, je suis kiff quoi. Autant emporter de la bouffe, hein, parce que là c'est un problème. Enfin, un problème. Je pourrais aller encore plus vite que ce que je suis censé aller déjà. Alors, barrage hydraulique doit être construit sur un lieu côtier. Ouais, 23, ça fait mal. Bâtisse de mineur. Oh, la plateforme d'Android plus 3 robots. Ouais. Et Utopia qu'on va enfin pouvoir placer depuis le temps que je dis que je veux la poser. Alors, chantier naval, s'il vous plaît. Ici. Là. Tac. Va falloir des projets spatiaux, je n'ai plus rien. Donc on va exporter à balle de la science. Et on va importer à balle de la bouffe. De la bouffe et de l'énergie. Les biens de base. Parce que comme le soutien, bah ça va. Ah merde, ici c'est plein. En fait, ici il faudrait que je mette des maisons. Sinon c'est plein. Merde! Attends, non, il y a un centre d'exploration, non, fais pas ça, Fire, tu vas te tirer une balle dans le pied. Oh, ici, c'est un spot de ouf. Attends, on avait dit... Voilà, ici on voulait prendre... Ah mais j'ai pris ici. Ah, quel con. Est-ce que... Attends, étant la ville, c'est vieux, j'ai vraiment pas de soucis négatifs. Est-ce que si je mets là... Ah non, ça prend pas le point. Ah merde! Est-ce qu'on peut abandonner une case? J'aurais bien aimé abandonner celle-là pour profit de l'autre ville, quoi. Parce que la plateforme... Ah merde! Ah quel con! Pourquoi j'ai fait ça? Ah, je me suis enflammé. C'est la seule explication logique. Déjà ça c'est pas paumé, voilà. Ah chier, hein. Putain, comment je me suis tiré une balle dans le pied. Alors vide lunaire. Qu'est-ce que les projets spatiaux actuels et futurs nécessitent 15%. Ok, vas-y, let's go. On va faire ça, parce que je vois qu'il y a plein d'anomalies. Oh, la ferme d'algues. Électrolyse pour le...
Pour la terraformation. Ça c'est bien. Ça c'est même très très bien. Ok, le gâchis, ses tentacules sont tout mous. C'est vraiment trop triste. Ah, le forêt de Varek. Attends, le bonus c'est. Plus de nourriture civile présente. En Arabia, il y a une ville, CRS. Et Arcadia, il y a une ville aussi. On va faire Arabia, de toute façon, le semeur de plantes il est là. Ok, donc. Je trouve qu'on se débrouille très très bien. C'est suspect même. Les pingouins, moi je veux bien. Station de désalinisation. Téléspatial. Labo d'OGM. Je vais prendre le labo d'OGM parce que j'ai une tonne de science et que je peux pas l'utiliser. Alors pas ici. Ici je veux bien par contre. Et ben voilà, du coup le truc pour introduire les animaux là, on va pouvoir. Bon, il n'y a aucune zone climatique, mais on va quand même pouvoir. Parce que j'ai forcément des caisses vides. Du moins, c'est ce que je croyais avant. Ça va devenir une zone côtière dès qu'on montera les océans. Ah, oh! Silicate, on est à plus 1. Je préfère faire une mine maintenant. Propagateur animal. Puis au moins, on sera fixé. Dans 5 tours, il se retire. Si on pose en hauteur, il y a un bonus de soutien. C'était ça son kiff, lui. Le problème, c'est que... On va faire le bonus, là. 30 soutien. Tremblement de Mars. Plateforme d'atterrissage, 2 titanes. Alors, les nouvelles villes. Je ne vous ai pas oublié. Voilà. Là, on a de la place. On va pouvoir bien s'étendre. Ok. Pas de zone à hauteur. Pas de zone à hauteur. Incroyable. Une zone côtière, là. Bon. Bah, on va juste explorer gentiment. Je n'ai plus d'énergie. Nous n'avons plus de voyelles. Il faut absolument que j'extraie les océans. Tempête de sable. Eh ben dis donc. Attends, je trouve plus ma ville. Attends, où c'est que j'avais dit que c'était pas mal d'explorer parce qu'il n'y avait pas de sable là. Oh la centrale. Oh la centrale, ouais. Je trouve une zone en hauteur. C'est une zone en hauteur, problème. 3 tours, 3 tours. Attends, tu vas me dire qu'il n'y a pas une seule putain de zone en hauteur. Ici, si, mais il n'y a plus de points d'expansion. Merde. Hein.
peut pas être construit sur sur les océans. Bah non, vu qu'il y a un bonus de... Oh merde. Tant pis, on va mettre là. Tant que l'oxygène n'augmente pas, je pourrais pas mettre. Ah, population, enfin. Ça, c'est bien. Atmosphère terraformée, génial. Alors, bah, on va prendre des écoufous. Il me faut de la pop. Putain, plus 12, quoi. Ah, mais c'est abîmé, ça. Ah, putain. Attends, il faudrait vraiment mettre un pop-up, parce que... Il n'y a qu'un seul truc qui a été montré, hein. Il faudrait quelque chose pour plus piocher de projets par tour. J'arrive plus à suivre la tendance. Tempête de sable. Bon, climat varié. Si c'est la première zone de l'évolution climatique. Oh, l'indépendance! Ah merde, les formes de vie! Ah, les formes de vie! Réduit le temps de recharge de tous les épandeurs actifs de un tour. Alors, ça ferait... L'indépendance augmente le confort de vie global de 1. Alors, ça serait pas mal pour le soutien. Mais les formes de vie, ça m'aiderait à terraformer plus vite. Après... Ces océans qui me font yesh. De l'eau et que je l'extrais. On va prendre l'indépendance. Ok, où la partie dure vraiment longtemps. Parce qu'on est plus ou moins déjà indépendant, c'est pas vraiment... Bactéries artificielles méthanogènes. Donc il me reste les cyanobactéries en gros à mettre. Qui font atmosphère oxygène, effectivement. Bon, les animaux, les pingouins, dans deux tours, normalement, je peux en introduire. Plus un titane par niveau d'oxygène supérieur à cette zone climatique, fonderie. Putain, je crois que j'ai jamais vu ça. Propagateur animal, ouais. Notre éco-foyer. On va avoir exploré une bonne partie de Mars. Hein. Prochain tour. On est bon. Donc la température et la précipitation de zone climatique de 1, module d'habitation. Forme d'atterrissage. Putain, pas de module. Il y a un centre d'exploration, ça m'intéresse pas. Ah putain, l'hyperloop. Chaleur, on est bon dans 8 tours. Atmosphère, c'est la merde par contre. Hein. Ça va être le plus long. Océan, atmosphère, c'est vraiment... galère. J'ai eu aucun projet spatial. Putain, vous êtes sérieux, quoi.
La pioche générateur. Putain, ça fait de l'énergie en plus ce truc. Trop bien. Prochain tour, les pingouins. Ça va être la première fois que je fais les pingouins, je crois. Haro Atlantique. Un oxygène, plancton. Ah, importation d'océan. Je vais quand même faire une explo manuelle. Pour me rajouter des, enfin, des choix de projets supplémentaires. Non, mais océan, c'est ce qui me bloque. Continue le discours indépendantiste. Fait juste du prestige en fait, le pingouin il fait rien d'autre. Hein. C'est pareil. Ça fait beaucoup de soutien. Ouais, ça fait beaucoup de soutien. Bon, les armes sont plus compliquées à poser, du coup je vais les introduire d'abord. Je continue le discours indépendantiste aussi. Serragine, délai d'introduction de tous les animaux réduit de. Ah ouais, complètement. Importation d'océan. Attends, on est à combien là? 40 plus 30, 70. Faut que j'étende encore une zone. Ouais. Faut encore que j'étende. Enfin, que je casse une nappe. Alors, il y en a une ici. C'est bien. Ça nous fait. Une zone élevée en plus. Eh, on se débrouille. C'est bon là, hein. Ça sent très très bon. De toute façon, rien que le soutien, déjà, ça témoigne de la réussite. Putain, comment est-ce que ça. Faites chier. C'est bon, ça a rien abîmé d'autre. Je vois pas de symbole pété. Ok. Discours indépendantiste, hein. faut continuer. Hein. C'est long, hein. À ce stade, j'ai beaucoup de villes. C'est chiant, mais pas tellement choix. Trop soutien pour chaque lieu côtier possédé dans cette ville. Oh ah, elle est où ma ville? Là. Ah ouais, ah ouais, si. C'est la première fois que je vois ce bâtiment. Et c'est la première fois que je le fais en plus. Vu que je veux augmenter. Attends, regarde, c'est rien de abîmé d'autre. Non, c'est bon. Biogénérateur. En plus, ça abîme même pas. Les gens sont. Ça pollue pas, donc les gens s'en foutent. C'est. Il est magnifique le biogénérateur. Hein. Tout le nitrate que t'accumules depuis X temps, là, tu peux le péter. Un discours indépendantiste, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Parfait. C'est bon, hein, c'est bon. 15 tours, 12... Bah, chaleur, c'est bon. Ah, c'est atmosphère qui va faire chier. Atmosphère, fabrique d'azote, protoxyde d'azote, pardon. Eh bien, étant donné que la chaleur...
Attends, c'était dans ma première et deuxième ville, je pense que j'avais fait des générateurs chaleur. Alors attends, ma deuxième. Non, c'est pas ma deuxième scène-là, Fire. Au pire, tu n'as pas besoin de remplacer. Juste tu mets, pourquoi tu te casses le cul? Moins un confort de vie. Ça fait chier, mais bon, ils ont 6 de confort de vie, ils vont s'en remettre. De toute façon, ton objectif, c'était informer Mars. C'est la voie bleue. Voilà. Vous le saurez. Plus de soutien, plus de nourriture. La forêt de Varex, c'est plus chiant à déposer. Brûleur rigolite. Température. 300. Putain, incroyable, on a réussi quoi. Alors là, je dis oui pour la station électrolyse, c'était inespéré. Putain, mais ça veut dire que tu peux étaler ta ville. Du moins 3, c'est comme si c'était gratuit en fait, une fois que t'as le... Ah merde, c'est le lieu côtier, c'est pas le lieu océanique. Oh merde, quel con! Bon, tant pis, c'est fait. Mais attends, si ça fait plus 3 par lieu côtier, comment ça se fait que j'ai plus 6? C'est pas un lieu côtier, ça? Ah non, ça, c'est un lieu côtier, ça aussi. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, ici, ça va le devenir. Ah merde, donc c'est moins ouf que ce que je croyais. Ça reste quand même ouf. Alors les ours, 3 oxygènes, 2 températures. C'est bientôt le niveau 3 océan. Si je fais Eureka, je pourrais pas tout prendre. Autant faire une explo classique. Si je veux construire une ville, ça va être maintenant, avant qu'il y ait de l'eau partout. On a fait l'indépendance. Je sais pas vraiment où on va devoir se poser. J'ai pas souvent ce setup là par contre. Alors examine la situation, je vois qu'il y a énormément de zones. Qui sont en 3, qui vont tous devenir côtiers. J'ai même une ville qui... Peut-être même 2 villes qui vont être noyées. On va éviter de faire de la merde. Alors, tout ce qui est à 3, faut pas que ce soit à 3. Déjà. Ça va me coûter cher en titane. Heureusement que j'ai pris le mec qui faisait que le coût des digues passait de 3 à 1. D'ailleurs, je pensais que ça réduisait juste de 2, mais non. On va examiner la situation. Ici.
Parce que là, je me suis bien étalé sur la zone. Normalement, il me reste encore une mine. Niveau 3. Une ville va être détruite. C'est bon. Putain, on a réussi à terraformer les océans 100%. Waouh. Eh bien, GG à nous. Dans 5 tours, on est bon pour l'oxygène. Et dans 7 tours, on est bon pour l'atmosphère. Eh bien, gros GG à nous. C'est good. Putain, il y a Vlad l'eau en fait sur la... sur la planète, en vrai. Précipitation de 3. Qu'une seule fois par zone climatique. 5 soutiens. Ah là là, mais t'as des trucs de ouf. Éloigné. Tu peux pas le construire sur des zones en dehors de la tienne. Écris quoi, ce? Non, n'a pas assez d'oxygène. Ah non, faut forcément que ce soit dans Arabia, quoi. Donc là où je peux plus y aller, génial. C'est deux oxygènes. Arcadia, je peux, mais il y a plus de terre. Donc je peux pas. Génial. C'est des zones côtières, donc j'aimerais éviter. Bon. Eh bien, fais chier. Plus un si posé en hauteur. Alors, j'avais débloqué une zone en hauteur sur une... qui avait de l'eau, je crois. Voilà, ici. Vu que les océans sont faits, bah, bah les couilles. Puis l'eau, j'en produis à mort, donc bah les couilles. Eh bien, ouais, on est bon. Bon, je l'ai pas réussi grâce à la vitesse, mais on est bon. Fourni de l'oxygène. Ah, le coût réduit en fonction du coût de l'oxygène. Ville de l'année, soutien, réduit le temps de recharge de tous les épandeurs actifs. Tu vois, ça déjà, ça m'intéresse un peu plus. C'est les rats ou les pingouins qu'on avait C'est les rats, hein. 5 tours. Prolifération accélérée. Le jeu n'est pas prévu pour qu'on le fasse en moins de... enfin, en plus de 70 tours. Ce qui fait que quand on dépasse, bah, le jeu il est en mode bah, tiens, voilà des persos pétés pour accélérer, mais t'as déconné. Voilà, c'est ce que globalement le jeu nous dit. Hein, bah, fuck les routes commerciales, j'ai pas de projet spatial. Fabrique d'oxygène pour l'atmosphère. Ouais, pour booster. Semeur de plantes pour booster. De toute façon, là, c'est la dernière ligne droite. Bon, quand je dis dernière ligne droite... on a win, hein, donc c'est pas vraiment une ligne droite. Récif de corail. Forêt tempérée, ça fait de l'atmosphère, alors on va plutôt mettre ça.
Eh bien, c'est un gros GG. Ring de gaz. Faire plus de semeurs de plantes. Je commerce pas, hein, sinon ça va me niquer. Si on relance le volcan. Ouais. Ça fait l'atmosphère. Tant pis, je me nique des mines. Mais c'est bon, l'atmosphère, c'est good. Eh bien, c'est bon dans deux tours, les amis. C'est bon dans deux tours. De terraformation oxygène. Et la mission est une réussite. Waouh! La Terre n'est plus la seule planète bleue de notre système solaire. Elle peut aujourd'hui compter Mars à ses côtés. Les enfants martiens jouent sous un beau ciel azur et peuvent respirer l'air martien en plein poumon. La faune martienne s'est établie dans de grandes forêts et les profondeurs des océans sont devenues tout aussi mystérieuses que dans notre foyer originel. Nous avons réussi à créer une deuxième Terre que certains considèrent même comme supérieure. On est allé jusqu'à tour 75 quand même, hein. En difficulté 10, c'est vénère, hein, parce qu'il y a un moment on est tombé à 200-300 de soutien. Incroyable, eh bien on a réussi. Ah, nouvelle recherche, planification urbaine avancée. Il me semble qu'on l'avait déjà, ça. Ah, hein. Oh, ça coûte que 4 par contre. Ah, c'était peut-être un bâtiment, c'était pas une recherche. Oh, ah oui. Ah, du coup, tu peux faire plus des villes industrielles plutôt que des villes peuplées en robots et en humains. T'as deux soutiens par tour lorsqu'un nouveau robot est construit. Oh. Oh, sur cette partie, ça aurait été trop bien robotique. Terre silencieuse, obtenez trois soutiens par tour pour chaque lieu océanique sur lequel vous étendez. Ah bah voilà, moi je croyais que c'était ça, mais non, en fait, c'était... Le bâtiment, là, c'était zone côtière. Là, c'est océanique, par contre. Ah, c'est ouf. Oh, t'as pas besoin d'avoir de bâtiment, ça touche tout le monde. Oh, ça doit être dans les âges très très tard, hein. Pardon, projet Mo-Hall. Deux chaleurs par tour augmentent la température de la zone de 1. S'il est placé sur un gisement de ressources. Oh mon dieu, c'est une mine améliorée qui fait de la terraformation. C'est un lieu planétaire en plus. Augmente la production des mines adjacentes de 1. Alors, ça, je pense pas l'utiliser. Il faudrait vraiment qu'il y ait genre 3 mines côte à côte sur un espace qui m'intéresse pas. Bah. Ouais, je pense. Ça va être extrêmement exotique comme utilisation. Fusion nucléaire contrôlée. Température et radiation augmentée de 1 plus 1 chaleur. Ah putain, c'est un truc planétaire. J'allais dire, c'est de la grosse merde. C'est un bâtiment vide, mais non. Ah, c'est planétaire. Ah. Ah mon dieu. Des nouveaux gens. Recherche de terrain produisent 5 sciences. Ouais, construisez jardin municipal. Alors ça va falloir le... Va falloir le construire pour voir ce que ça fait. Union terrestre. Réduisez le soutien négatif généré par les expansions lointaines par une série de... Oh mon dieu, ça défonce ça. Parce que autant lui, la production de sens et de science, ça dépend si tu galères à ce moment en science. C'est pas mal, hein. Lui c'est... C'est pas naze. Elle, par contre... Ah, mon dieu, j'ai pas regardé leur passif. Lorsque le choix est présenté. Ah, donc t'as le choix entre 4 technologies. Ah, c'est... Oh, le passif est bon. Du coup, des sites historiques fournissant du soutien ou du confort de vie. Ah, donc tout ce qui est vu sur le canyon, etc. Lui, c'est quoi? Les villes possédant au moins 10 habitants produisent 20 soutiens. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Studio de Marleywood gratuitement. Ça doit être un truc qui fait du soutien, j'imagine. Documentaire sur la nature. Choisissez une zone climatique et obtenez du soutien égal à 2 fois le prestige total de toutes les formes de vie présentes. Ah oui, pas mal. Putain, il y a encore des choses. Vous avez atteint le niveau max. De futures mises à jour ajouteront plus de contenu. On a
tout débloqué, du coup, ça veut dire. Ah ! Eh bien, GG à nous. Eh bien, c'était la voix bleue. C'était la voix bleue sur Terraformer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la chaîne de Fer. Je vous fais de gros bisous. Et putain, GG à nous. Et puis, on va s'arrêter là, malheureusement. Je vous souhaite un bon appétit pour tous nos amis en stream. Et puis, je vous aime très très fort pour tous ceux qui regardent la VOD. Vous êtes peu, mais vous comptez très fort pour moi. Allez, tchou tchou, c'est la chaîne de Fer. Grosse bise.